Corrigeons ensemble l'exercice 3. Recopie les phrases en accordant les adjectifs épithètes comme il convient. Phrase A. De gros nuages noirs troublent le ciel clair. Les adjectifs gros et noir donnent des précisions sur le nom nuage. Ils s'accordent en genre et en nombre. L'adjectif gros ne change pas. Noir prend la marque du pluriel S à la fin. Trouble le ciel clair. Clair aussi est un adjectif qui s'accorde en genre et en nombre. Clair ne change pas. C'est un adjectif masculin singulier qui donne des précisions sur le nom le ciel. Phrase B. Les longues nuits hivernales paraissent sans fin. Les deux adjectifs long et hivernal s'accordent aussi en genre et en nombre. Avec le nom qu'il précise, les nuits est un nom féminin pluriel, longue prend la marque du pluriel ainsi que la marque du féminin, E, S, on n'oublie pas bien sûr la lettre U, hivernal aussi prend la marque du pluriel et du féminin E, S. Phrase C, une neige épais recouvre les sols gelés. Une neige est un nom féminin singulier. On accorde l'adjectif épais, une neige épaisse. Il prend la marque féminin, recouvre les sols gelés. Les sols est un nom masculin pluriel. Gelé aussi s'accorde en genre et en nombre. Il prend la marque du pluriel S à la fin. Phrase D. Les matières grasses sont à éviter pour garder une bonne santé. Les matières est un nom féminin pluriel. On accorde l'adjectif gras. Les matières grasses. Et bonne s'écrit avec deux N. Prends la marque du féminin. Phrase E. Je préfère les nouveaux produits locaux. Les produits est un nom masculin pluriel. On accorde les deux adjectifs nouveau et local. Je préfère les nouveaux, donc on va ajouter un X à la fin, c'est la marque du pluriel. Locaux, c'est un adjectif qui se termine par al. Il fait son pluriel en O, A, U, X. Si c'est bien clair, passons à la correction de l'exercice 4. Recopie les phrases en mettant les groupes nominaux en gras au pluriel. Phrase A. Le jeune sportif réalise une belle performance. Les jeunes sportifs. Le groupe nominal prend la marque du pluriel. On ajoute un S. Réalise ENT. Une belle performance. Aussi, ce groupe nominal prend la marque du pluriel. On ajoute un S. Belle avec un S. Performance avec un S. B. Cette salle obscure convient pour le film. Ces salles obscures. C est un déterminant démonstratif qui s'emploie devant un nom au pluriel. Salles obscures prennent la marque du pluriel. On ajoute un S à la fin. Convient pour le film. Alors, on conjugue le verbe convenir à la troisième personne du pluriel. Conviennent pour les films. Les films prend la marque du pluriel. On ajoute un S à la fin. Phrase C. La pelleteuse creuse un puits profond. On accorde. On met le groupe nominal au pluriel. Les pelleteuses. Il prend la marque du pluriel. On ajoute un S. Creuse. Des puits profonds. Puits ne change pas. En conjugue creuse à la troisième personne du pluriel. Creuse. ENT, profond, prend la marque du pluriel, on ajoute un S. La dernière phrase, je sais faire une division difficile avec un nombre décimal. Je sais faire des divisions difficiles. D qui s'emploie devant un nom au pluriel. Division difficile prennent la marque du pluriel, on ajoute un S à la fin. Avec un nombre décimal, avec des nombres décimaux. On ajoute un S
au mot nombre décimal. C'est un adjectif qui se termine par al, où les mots qui se terminent avec al font leur pluriel en o, a, u, x. Décimaux. J'espère que c'était clair pour vous. Je vous souhaite bon courage.